Mes amours, c'est la tendance, la mode en ce moment. On crie au citron, au gingembre, au miel, un petit peu partout. Vous ne savez certainement plus où donner de la tête. Laissez-moi vous expliquer ceci. On prête au gingembre l'avantage d'être un aphrodisiaque ou même d'aider à mincir. Quant au citron, il permettrait aussi de perdre du poids. Ce serait en plus un antioxydant de qualité et s'accorderait à merveille avec le gingembre, dans un thé par exemple ou même dans une tisane ou comme vous allez me voir faire dans la vidéo. Mais ce n'est pas tout. Chacun dispose d'une longue liste de vertus qui ont tendance à être synergiques. Si vous combinez cela avec de l'ail, alors là, vous avez un combo gagnant et ultra performant. Le citron et le gingembre possèdent des vertus dépuratives, c'est-à-dire qu'ils vont nettoyer le corps, notamment le sang, de tous les déchets qu'il contient. Comme le ginseng, le gingembre et le citron possèdent de nombreux bienfaits sur votre système immunitaire. Le gingembre va notamment réchauffer le corps, c'est aussi un gros atout pour perdre du poids. Le citron, quant à lui, permet de prévenir certains types de cancers, comme le cancer de l'estomac, le cancer de la bouche, du côlon, de l'œsophage, du pharynx et bien plus encore. Il possède aussi des vertus pour prévenir certaines maladies cardiovasculaires, permet de calmer tous les types d'inflammation. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est recommandé de le boire en thé ou même en infusion, comme je vais vous montrer. Vous pouvez le boire à jeun le matin si vous voulez vous soigner avec. Le citron vous permettra de nettoyer la peau en profondeur et ceci mieux qu'aucune crème qu'elle coûte 5 euros ou 5 millions d'euros. Le citron est exceptionnel et ça va opérer directement sur la partie intérieure de la peau. Ce mélange va favoriser une bonne digestion. Là encore, le gingembre et le citron disposent des bienfaits rentrant en parfaite synergie. Le gingembre permet de faciliter le transit intestinal, de stabiliser son fonctionnement au long terme. En plus, c'est bon pour mincir. En effet, permet d'activer le brûlage de graisse ainsi pour perdre le poids. Par ailleurs, en facilitant le transit intestinal, en chassant le cholestérol, le gingembre permet aussi de mincir. Je résume, ceci possède des vertus aphrodisiaques, permet de calmer le mal des transports, c'est bon pour les problèmes d'acné, idéal pour la détoxe. Si vous souhaitez booster votre libido, utilisez ça dans un mélange avec de l'ail. Juste 4 gousses d'ail, comme vous venez de me voir faire depuis le début de la vidéo, ça suffira. Vous écrasez environ 80 g de gingembre et de citron. Tamisez et extrayez. Buvez un verre le soir avant d'aller au lit. Je vous conseille peu avant de faire votre affaire. Ça a le don de donner chaud. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez grand soin de vous. Pensez à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Et abonnez-vous sur cette chaîne, mais aussi sur ma nouvelle chaîne Rosemonie Naturopathe. Bisous, bisous.